Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au lycée libanais francophone privé Maidan à Dubaï. Alors cette semaine, eh bien, nous avons eu la chance d'inaugurer cette station sismologique qui est là. Elle est placée au cœur du lycée. L'inauguration a eu lieu en plus en présence d'un représentant de l'ambassade de France des Émirats Arabes Unis. Alors cette station, eh bien, comme vous le savez, elle permet d'enregistrer les séismes qui peuvent se produire un peu partout dans le monde, mais en particulier dans la région. D'ailleurs, c'est l'une des seules stations actuellement placées dans la région et elle vient compléter le grand réseau EDUMED, qui est le réseau éducatif du laboratoire GéoAzur de l'Université Côte d'Azur. Et je peux vous dire que les élèves vont se régaler parce que maintenant, ils vont pouvoir travailler à partir de leurs données réelles qu'ils vont obtenir grâce à ce sismomètre pour travailler, eh bien, à la fois sur les séismes et de façon plus générale sur les risques naturels. Donc voilà, je vous rassure, pour le moment, c'est tranquille. À l'occasion de la fête de la science, au cours de laquelle Fred de l'Esprit Sorcier a pu rencontrer nos élèves de la primaire à la terminale, nous avons eu la chance d'inaugurer notre station Sismo, portant le même nom que notre école, LLFPM, en la présence des différents membres de la direction du lycée, ainsi que de Monsieur Guillaume Routier, représentant de l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis, et de Fred bien évidemment. Cette station, qui a déjà enregistré 2 séismes en une semaine de magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter, en Afghanistan et en Iran, a été l'occasion de réaliser des activités pédagogiques avec les élèves de CM2 et de proposer une conférence sur les risques avec les collégiens. Nous remercions toutes les institutions qui ont permis de réaliser ce beau projet.